Eh ben tiens, qui pourrait faire du porno? On en a parlé, on vient d'en parler. Qui pourrait fantasmer sur son beau-père ou sa belle-mère? Putain, j'hésite. Putain, mais c'est terrible si je mets ça. Petit message important, les amis. Bah alors, on n'est pas mercredi, là. Allez, mettez un gros pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez que je fasse 2 vidéos par semaine. Ouais, je dis ça, je dis rien. Allez, gros bisous et bonne vidéo, tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. C'est exceptionnel. On est quel jour? On est mercredi 18h pile, ouais. Les amis. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est assez fou ce qui se passe. Les amis, je suis en compagnie de Bastos et Juju. L'ancienne, le retour. Les gens le demandent tout le temps sur les réseaux. Ouais. Ils le demandent beaucoup. Et oui. Cet été. Et oui, c'était cet été. Ouais. Car l'un d'entre nous a déserté le groupe. L'un d'entre nous nous a oublié. L'un d'entre nous est parti. Je suis allé faire un genre de grosse vidéo YouTube. Ah oui, oui, oui. Un gros tournage. C'est ça en fait, le problème sur ta chaîne, c'est qu'on pécho pas assez. Ah, au ouais. moins sur ces grosses vidéos YouTube, on peut pécho. Non mais les amis, nous avons parmi nous un homme abattu. Non, ça va, je me relève. Est-ce que ça va mieux, frérot? Ouais, ça va mieux. Et d'ailleurs, en ce moment même, on est sur ma chaîne YouTube avec toi. Ah, lui, tout pour lui, lui. Lui, on est là. Pour me coacher sur ma nouvelle vie de célibataire. Tu viens sur mon pantalon. Voilà. Parce que toi, t'es un expert en célibat. Tu vas me coacher un petit peu. Eh ben, je vais te coacher, frérot. Nous sommes réunis. Et comme vous savez, bah, il va se passer des choses. Il se passe souvent des choses. J'ai trouvé un petit jeu très sympa. Je me baladais tout à l'heure sur l'Apple Store. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Je suis tombé sur qui pourrait. Et avec mon frère, on a trouvé ça très drôle. Qui pourrait? Qui pourrait? C'est-à-dire que c'est un petit jeu. Sa mère, par exemple. Voilà. Et nous, là. Lui, ouais. Lui, va falloir se méfier de ce mec. Les amis, va falloir se méfier de lui. Vraiment, ça m'est passé par la tête. Non, non, mais vas-y, avec plaisir. Et ta belle-mère, c'est pas de l'inceste. Tu sais ou pas, moi ça me ferait kiffer qu'on me voit en train de ken parce que je sais que je suis beau. Julien, c'est un théoricien, c'est un puriste. Qui pourrait être gêné de voir ses parents rencontrer ses amis? Qu'est-ce que c'est que ce micmac? 1, 2, 3. Ah ouais? Ah ouais, à côté de la blague, frérot. Il y en a au moins 2 ici. J'ai bien rencontré ta maman. Hein? T'étais pas gêné? Ah si, si. Ah, si, si. Ah ouais? Si, si, intérieurement. Si, si. J'ai toujours peur qu'elle dise une connerie. Ah, tu vois, bon, ou qu'elle fasse un. Darko et moi, on a des mamans qui sont très, très nature, très impulsives. Très speed. Mais la tienne encore plus que la mienne. Moi, ouais, je me rappelle d'un voyage en voiture avec ta maman. Ah, ça y est, voilà. Elle a aucune prudence sur la route. Ah oui, bah ça, c'est famille. Ouais, Pedro pour Rago, la voiture, l'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute. On a failli mourir 8 fois. Qui pourrait faire des préliminaires en cours? Attends, 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 attends. Change encore. Bah j'hésite en fait. Attends, 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 je rechange. C'était bien. 1, 2, 3. Moi j'ai mis moi. Tu t'es mis toi? Moi aussi. J'ai mis moi j'ai mis moi parce que je l'ai déjà fait. Moi je sais pas pourquoi, mais je le sentais que tu l'avais déjà fait. Frère, je l'ai déjà fait. Mais c'est un des trucs ouf de ma vie. Toi tu as déjà fait aussi? Bah ouais, mais c'est pour ça. Alors, c'était en permanence pour ma défense. En permanence? Tu faisais tout le temps? Non. Et toi t'as dit Darko pourquoi? Ouais. Bah en fait j'allais dire Juju parce que je sais que lui il est dans ce délire. Ouais. Mais je me suis souvenu que je l'ai fait. Ah toi aussi tu l'as fait? Ouais, en cours de sport. Mais ils ont tous fait. Ah oui, d'accord. Dans les vestiaires? Ouais, en gros, en fait, le cours de sport c'est dans la cour, oui. Et il y avait des toilettes extérieures. Donc on est allé aux toilettes extérieures, tous les deux. Pour faire des grands prélis. Pour faire des grands prélis. Donc, moi, c'est vrai que je n'ai pas connu cette jeunesse. Je l'embrasse. C'est vrai? Ah ouais, pas du tout. Bah moi, genre la première fois que j'ai couché avec une meuf, j'avais 18 ans. Ah ouais. Et c'était la première fois aussi où je faisais des prélis, c'était la première fois que j'embrassais une meuf. Qui pourrait fantasmer sur son beau-père ou sa belle-mère? Putain, j'hésite. Putain, mais c'est terrible si je mets ça. Pourquoi il dessine des à côté? C'est ça les points. J'ai trop hâte de cette révélation. 1, 2, 3. Oh! Oh! Non! Oh, 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 o
suis honnête. Alors, expliquez vos choix. Je pense pas Juju, parce que Juju, il est pas trop branché fille plus âgée. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bah, la sœur, ouais. Mais ça, c'est plus. Oui, voilà. Tu vois, c'est pour mais ça. Je parle pas en... Non, mais je parle pas. Parce qu'elle a une sœur. Non, non, non. Je parle pas de cap aussi. On arrête cette vidéo. Ouais, les amis, si vous voyez la tête de guerre, elle est trop vénère. Et plus jeune, j'ai fait un truc avec deux cousines. Elle a quel âge? Et ça m'invite. Excuse-moi, tu es intéressé toi aussi par ça. Non mais faites votre vidéo, faites. Non, non, la sœur de Léa, entends-moi, je pensais pas. Je vous mets un visuel parce qu'elle est mignonne en plus, voilà, je sais pas si. Elle est célibataire? Oui. Elle est célibataire, je vous mets son Insta ici. Allez, c'est parti, bienvenue sur Foot. Tu parles de deux cousines? Deux sœurs? J'ai déjà fait un truc avec deux. Enfin, non, mais le côté. Ouais, bref, laisse-moi, je m'embourbe, je peux plus répondre. Et toi, pourquoi toi? Non, moi... Non, bah, moi, rien. Non, rien. Non, mais explique. Non, mais ça peut... Voilà. Si je sais pas, vraiment... c'est parfois, il y a des trucs... Voilà. Ouais, il n'y a pas d'explication à ça. Non, mais c'est que... Il y a de l'expérience ou... Non, franchement, non, mais je me dis que ça pourrait m'arriver. Mais juste fantasmer, évidemment, je ferai jamais... Enfin, je suis pas un malade, genre, je suis pas... Voilà. Non, c'est pas malade. Non, mais si. Et ta belle-mère, c'est pas de l'inceste, hein. Non mais oui, mais bon, c'est quand même osé, si je puis dire. Ne pas commander de plat, puis manger dans l'assiette de tous les autres. Ah, c'est, oh, ça, c'est facile. Oh là là. Puis boisson comprise. Il va boire plus dans mon coca que moi, je bois. Oh là là. Attention. 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça. Ah oui. La pince. Non. En plus, je déteste manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Ah mais frère, tu prendrais mon assiette avant que je mange. Remarque, c'est vrai que j'adore finir les assiettes des autres. Qui pourrait connaître le Kama Sutra par cœur? Juste, est-ce que les gars peuvent venir nous aider à répondre à cette question? Elle fait comme ça à côté. C'est vrai. Oh, c'est bon, mais pas 3 heures à écrire, c'est vrai, oh, c'est vrai. C'est que tu sais les. C'est pas genre, ah, moi ça prend 3 lettres, héros, c'est bon. Non. T'as mis moi? Bah t'as oui. Mis moi? Bah oui. Non, j'ai mis Darcel pour Dark. Moi? Ouais, Darko Darcel. Marc Darcel. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai que je suis souvent avec Darcel. Tu bookines pas mal. Oui, mais c'est pas un théoricien, Darko. Ouais. Bébé, tu confirmes leur réponse? Moi, je me rappelle, bon. Je me rappelle de soirées dans Secret où on discutait pendant des heures. Discutait pendant des heures de nuit et où tu nous racontais vraiment toute la théorie du cul. Ah oui, c'est vrai que Juju est un professeur. Moi, je suis un scorpion, les amis, j'aime beaucoup faire l'amour. Ouais, ouais, et puis faire l'amour, mais genre en connaissance. Tu vois, genre, Julien, c'est un théoricien, c'est un puriste. C'est vrai, écrire un bouquin. Faites bien du cul. Eh ben tiens, qui pourrait faire du porno? On en a parlé. On vient d'en parler. On en a parlé juste avant parce qu'on a vu que AD, ça y est, AD est passé du côté obscur. Mais entre nous trois, qui pourrait faire du porno? Moi, je pense que c'est, je sais. Je pense aussi que tu sais, ouais. Bah attends, mais pas du tout. Deux, deux. Ah si. Mais pas du tout. Ah si, si, si. T'as dit que tu l'envisageais avant de commencer la vidéo? Oui. Bah pas du tout. Mais si, t'as dit, j'ai envie de faire du porno. Non, j'ai dit que j'aurais kiffé faire une sextape, mais pas du porno. Ah, je vois ce que tu veux dire. Porno, ah oui, d'accord. C'est je suis un acteur, je fais mon boulot. Voilà. Moi, ça me ferait kiffer qu'on me voit en train de ken, parce que je sais que je suis beau et qu'il me... ce serait un gros ego trip, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et ça me fait kiffer, genre parfois, je me regarde, je suis... Bon, y a pas d'acteur porno ici alors, si je m'approche. Non, bon, y a Darko quoi. Dommage que j'ai pas mon vibro là. Qui pourrait pleurer devant un film? J'ai entendu un. Il écrit une dissertation, ton pote? Je sais pas, à chaque fois il écrit. Je suis nul en dessin. 1, 2, 3. Moi j'ai mis Juju. Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé à toi aussi. Ouais. Ah ça y est, bah. Et cœur, pas mettre cœur insensible, le mec a pas de cœur, c'est ça. Ah moi aussi, bébé, j'ai pensé à toi. Ah bah ouais. Moi je me laisse facilement embarquer, ouais. Ah, Juju, tous les deux jours en story, il met sa tête en train de pleurer devant un film. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a au moins une fois par semaine, je pleure devant un film. Ouais, moi, j'adore ce moment. Les musiques aussi qui me font chialer. Genre, pas de visuel, juste de la musique. Ouais, juste de la musique. Ouais. C'est vous? Non, mais toi aussi. Quoi?
La musique. C'est fou. C'est quoi? C'était Star is Born, parce que de la musique. Qui pleure sur Star is Born? Moi j'ai pleuré sur Star is Born. Comme une madeleine, hein, deux fois. Mais y'a pas de truc triste dans Star is Born. Moi j'ai pleuré hier en écoutant de la musique. Voilà, Non. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir avec elle? Bah y en a plusieurs. Donc, t'as pleuré. J'ai pleuré plusieurs fois. Le dernier album de Jul. Non, Relsan il m'a fait verser une petite larme. Qui pourrait draguer la meilleure amie de sa partenaire sous ses yeux? Juju, on a bien compris qu'il pouvait draguer sa sœur. Franchement, celui-là, il est des spécimens dans le sens canapé. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est dur, pas dans le sens, genre, je sais pas qui prendre, c'est dans le sens, j'ai envie de tout ce qu'il va prendre. Non, pas du tout, moi, pas du tout. Ok, ok. Ah ouais? Ah non, pas du tout, jamais de la vie. Ah, il fait que de draguer Jou pendant. Je sais pas! J'ai jamais dragué Jou, les amis. N'importe quoi. Écoute, là, t'es en train de faire une projection. Le coup d'épée de la pétanque, allez, viens, bébé, on va jouer aux boules. Allez! petit Jou, viens, on va jouer aux boules. T'es en train de faire une projection. Devinez qui a perdu, qui a gagné. Oh non, Jou, t'es trop forte, petite Jou. Devant Paga. N'importe quoi. Allez. Il y a aucune âme, ok. Lui, vraiment, à côté de moi, à chaque fois, il écrit un récit. Je sais pas ce qu'il fait. Il s'arrête pas d'écrire. À chaque fois, il y a que un sur le truc. Oui, il s'arrête pas d'écrire, frérot. Je suis sûr qu'il écrit des choses et qu'il les efface. C'est fou. Attends, frère, t'as écrit quoi, toi? Juste Darko, juste pour voir si elle est réceptive. Okay. Au fond, il y aurait rien, mais tu voudrais juste te dire, sa pote aussi, si je veux. Sale dans l'exploration un petit peu. Oui, si je veux. Un petit peu. Je fais ça. J'avoue. Moi j'ai mis Juju. Moi aussi j'ai mis Juju, ouais, et parce que je sais de sourd. Non. Je sais pas. Même, si... même, tu vas, je vais rentrer chez moi. Je sais pas si je peux le dire. Bah si c'était avant elle, tu peux le dire. Bah non. Et puis je peux te couiller, non, mais pas ça. C'est quoi la question, Diaz? Moi je sais rien, je suis sûr, hein. J'ai mis Juju parce que c'était celui qui me paraissait le plus probable. Non, mais y'a rien, je suis en train de créer un cataclysme. Je suis un explorateur, quoi. C'est quoi? Non. Non. Je pense qu'il s'est trompé, bébé. Non, je pense que je suis trompé. Il a pas compris la question. Et c'est vrai que parfois il a pu vouloir. Papillonner, mais avec sa copine. Voilà. Ah. Pour faire là, des petits. Ah oui, c'est un autre sujet. De toute façon, je dis pas avec Léa, c'était pas avec Léa. T'as pas des questions genre qui est le plus fidèle et ça tombe sur moi? Qui pourrait like... Alors, les amis, je lis comme c'est écrit. Hein. Qui pourrait like des culs sur Insta? Ne te présente. Il se venge. 1, 2, 3. T'es mort. C'est qui? C'est toi. Putain. C'est toi, frère. Mais l'Instasphère est likée par là. C'est incroyable, il y a des meufs, elles viennent de créer leur compte Insta. Il y a déjà des likes de Darko. Like et il se barre. Mais voilà, c'est voilà. Déjà, je like pas du tout pour attendre quelque chose, parce non. Que je ne DM jamais. En revanche, je réponds jamais aux messages. Mais du coup, je vais sur le profil et je mets un petit like pour montrer que j'ai lu et que voilà. T'es vraiment un mec exemplaire. C'est vraiment pour donner de l'amour comme on m'en donne. C'est vrai. Ouais. Mais je ne vais jamais liker des gens qui m'ont pas liké. Voilà. C'est agréable d'avoir un pote qui est un mec bien comme ça. Si parfois on s'égare. Qu'on dit putain, pourquoi il a liké cette photo de meuf en maillot de bain? Bah on sait que c'est parce que. Voilà. Si vous m'envoyez un petit message, je vous mettrai un petit like. Ouais. Surtout si vous avez des photos en maillot de bain. Les amis, maintenant on passe aux questions hot parce qu'il y en a marre. Là c'est bon, là c'était pas aussi hot. Non, c'est chill. Si tu veux bien aller faire un petit tour dans la salle de bain. Là va y avoir des révélations, là je vous le dis. Qui pourrait embrasser plus de 4 personnes dans la même soirée? Avec haine. Moi j'ai mis Dark. Mais pourquoi t'as mis moi? Ah ben non, frère, il n'aura jamais une meuf. J'embrasse jamais une fille en soirée. Ah ouais? Jamais. Ah bon. Alors peut-être après, mais... Oui, voilà. Si vraiment je suis dans l'intime, dans la chambre, ouais, mais pas devant les gens. Et Juju, en revanche, j'ai vu des histoires. Je l'ai vu un jour avec 4 filles comme ça autour de lui. Ah oui. Même 5 ou 6, je sais plus. Ça va, écoute-toi. Je crois que ça m'est arrivé aussi dans mes moments sombres. Oui, toi aussi. Mais lui, c'est vraiment son kiff ultime. Voilà. Qui pourrait être soumis au lit? Évidemment. J'essaie de vous imaginer, mais... Allez. 1, 2, 3.
Mais non, mais attends, déjà lui, alors, frère. Alors, oui. Non, mais à quel moment il est soumis? J'ai jamais vu un mec plus insoumis que ça. Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, moi. C'est un malade mental. Tu l'as déjà dominé? Mais alors écoute, justement j'ai mis ça parce que je serais, je serais peut-être pas contre un petit peu de changement. Non. Ah. Parce que Juju c'est une bête sanguinaire hein. Ouais, Juju c'est... Attends. Et moi je lui ai dit ouais mais... Il a dit ouais. Non mais... C'est une bête sanguinaire. Plus tard que cette semaine, à un moment j'ai dit à Léa, j'aimerais que tu me... Donc c'est de la soumission. Ouais. Ouais mais en même temps tu lui as dit, je veux que tu me fasses... Ouais. C'est ton soumémo. Vas-y. Je vais peut-être changer. Soumémo. Ah, merci, moi. C'est moi. T'étais le plus proche en alphabet. Pourquoi moi, toi? Mais je sais pas, je t'imagine bien faire. Parce genre, que tu fais que tes talons. Vas-y, allez, mets-moi une petite fesse. Ah bah dis donc, c'est pas... une bonne image. Ouais, je t'imagine. Au cercle d'amis. Moi, j'aime bien changer. Okay. Donc j'aime bien les deux. Il y a déjà des meufs qui m'ont surpris, qui m'ont mis une grosse claque. Ah oui. Ah oui. Ouais. Et ça t'a plu? Ouais. Les amis, ça m'a fait plaisir d'enfin refaire une vidéo à trois, ça fait plaisir. Et puis bah, on se revoit très vite. Hein. Ouais. N'oubliez pas, sur la chaîne de Bastos, en ce moment, il y a la vidéo qu'on a tournée avec Bastos. Juju, il a une chaîne YouTube, allez le suivre à fond, 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 fond. Je vous mets tous les liens dans la description. On vous aime, on fait plein de gros bisous. Et puis bah, c'est tout. À bientôt. Ciao tout le monde.